Salut tout le monde, c'est Kiki, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur, Megaman Battle Network 5, Team Proman. J'allais dire un autre nom de jeu, mais bon. Voilà, c'est tout. Donc la dernière... Non, là, le mode furtif vient d'expirer. Saloperie fantôme. Donc, la dernière fois, on a assisté à la suppression de Protoman. Et du coup, pour venger Protoman, Mehdi... Le navy de Jasmine, eh bien, s'est dit, bah tiens, c'est quoi cette pièce-là autour de moi, là? S'est dit, bah tiens, on va aller dans le réseau maléfique le venger. Mais attendez, là c'est un gangbang de fantômes, ils sont tous autour de moi. Oh mon dieu. Par où je dois passer? Allez, par ici. Par ici. Par ici. Non. Là. Je sais pas, je vais à des endroits improbables. Oh! Nice. Oh. Par contre, ça va être compliqué de. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui! Bouffe-toi ça. Et bouffe-toi ça. Allez. J'ai pris masse de dégâts. J'ai pris tellement de dégâts. 1200 zénis! Ok, 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 ok. Bonjour, je suis vendeur programme, regarde mon stock. Poisson, attire virus haut. Écran personnel plus une puce. Attire virus bois. On fait attaque, max PV plus 400. Et ça vaut combien ça? 10 000. Stop bug, empêche bug. Ah, ça peut être utile pour moi ça. 3. 2 chances, suppression de changement de navy. Bon, j'ai pas trop compris. Moi j'achète ça. Hein. Attendez, on aura peut-être plus de PV. Navy réseau, exécution programme navy. Ah, attendez, quoique. Humour. J'ai humour. Installer et essayer, elle. J'ai pas envie d'essayer. Plus 400 PV. Ah, c'est U. Attendez. What the fuck, man? Ça prend trop de place. Bon bah j'ai payé 10 000 pour rien. J'ai payé 10 000 pour rien. Ouais, on va là. On va là. Oh là 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 là. Napalm Man. Très bien. Très bien. Voilà. Ah, vol zone. Non mais please, déjà que j'ai pas... On se casse, on se casse, on se casse, on se casse. Je prends trop de dégâts. Ici, c'est le pire des endroits, c'est le pire endroit du paf. Ok, on va faire ça. Hop, allez. Non, viens ici. Viens ici. Brrr. Voilà, non mais oh. Qu'est-ce que tu croyais faire? Katana. Ouais, that was close, ouais, ouais, c'est ça. Et tu trouves ça drôle? Oh, attendez. Des grandes marches. Ah, Mehdi! Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Mehdi! Te voilà, Megaman. Allez, tous ensemble contre Navy Nebula. Qu'est-ce que tu attends? On est venu te chercher. Rentre chez toi, Mehdi. C'est dingue! Mais pourquoi on t'a choisi comme chef? Mehdi, éjecte ce nul et allons venger Protoman. Bonne idée. Les mous comme lui ont ce qu'ils méritent. Qu'allez-vous faire? Je vais t'ouvrir les yeux. Attends. Économiste à salive. Elle va m'ouvrir les yeux. J'ai pas sauvegardé avant, je m'y attendais pas en fait. Je ne m'y attendais pas. Hop, on va unir à ça. Et on va passer sur un petit Napalman. Hop, allez, on lui fait 160 de dégâts déjà, pour la calmer un petit peu. J'aurais préféré être un petit peu plus haut en PV. Hein. Oh, oh, oh. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est une pluie de météorites avec des bulles. Hop, allez, ça lui fait 100 de dégâts à chaque coup réussi. Hein, donc, ne dites pas que ça ne va pas marcher. Hop, allez. Boum. Allez, 460.
Django, quoique astéroïde pour mon dernier tour en tant que Napoleon. Hop. Qu'est-ce qu'elle me fait avec ces trucs là? Ok, ça marche pas. Oh! What? Allez, ne bouge plus. Ne bouge plus! On te met 150. Voilà. 150, allez. Comme ça, on est bien tranquille. Oh. Hop. Et... Alors, ce qu'on peut faire... Ce qu'on peut faire, ça c'est bien. Par contre, ça, ces puces-là sont bien. Hop. Hop. Parfait. Je sais pas en fait ce que ces puces peuvent me faire. Enfin, ce que ces attaques peuvent me faire. Blizzman. Qu'est-ce qui est sûr de la toucher? On va reprendre Blizzman. Quoique. Blizzman, oh, j'ai juste à être en face d'elle. Hop! Et voilà, Mehdi! Mehdi, qu'est-ce que tu comptais faire? Alors. Ah, c'est ça. Alors, toujours incapable, Mehdi. Cette fragile demoiselle a été très loin pour moi, pour toi. Tu dois accepter d'être le chef. Cette gamine nous a remis à notre place. Elle nous a fait venir car tu devais changer d'avis grâce à elle. Les autres vont arriver, non? Oh, la musique. Attendez, on va augmenter la musique puisque j'ai l'impression qu'elle est un petit peu basse. J'adore cette musique. Les Navy auraient trop peur d'aller dans le réseau maléfique. Mais cette gamine, non. Et plus, elle se charge de toi. Tactique peu habituelle, mais qui fonctionne. On ne peut rien faire. On peut rien face à l'action. Cette fille et son opérateur ont tout fait pour rattraper ce qui est arrivé. Tu ne peux pas les laisser tomber, ni chaude d'ailleurs. Mehdi, Jasmine, vous m'avez ouvert les yeux. Justement, elle m'a ouvert les yeux. Avec son... je sais pas. J'étais faible, je ne pensais qu'à fuir. Maintenant, je sais qu'il faut se battre. Exécutons cette mission. Ouais! Hihihi. Bon, Mehdi, occupe-toi de cette porte. Pas de souci. Mais what the fuck, comment ça se fait qu'elle défonce ta... Bouge pas, petite, laisse-moi faire. J'en ai pour une seconde. On recule! Il va rater et c'est Mehdi qui va l'utiliser. On y va! Ah! Bolos. Eh? Que? Pas bouger d'un poil, je comprends pas. Tu ne peux pas forcer cette porte. Comment dire? C'est une porte de colère et de haine. Impossible de l'ouvrir par la force. Franchement, les garçons, parfois. Regarde, il y a un autre moyen. C'est parti. Impulsion guérison, ya! Très bien, très bien. Et voilà, incroyable! Ok, chef, on est prêt. La mission peut commencer. Visiblement, je viens avec vous, ok? Mehdi, oui, bien sûr. Bon, écoutez, on va libérer le réseau maléfique 4. Pour commencer, Magnetman, tu vas rester ici pour monter la garde. C'est ok? Tu me demandes un service ou c'est un ordre? C'est un ordre. Alors, ne demande pas si c'est ok. Donne simplement tes ordres. Hi, Magnetman. Tu restes ici et tu guettes les renforts ennemis. Ok, je m'en occupe. Lan, quand tu veux, on démarre la mission. Ça marche. Du coup, on va pouvoir faire notre mission de libération. Ok, hop. Sauvegarder déjà. Puisqu'on avait quand même battu Mehdi et Jasmine. Et on peut direct enchaîner sur une mission de libération. Je sais. Cinquième, je crois. Cinquième mission de libération. Et on va pouvoir voir quel est le pouvoir de Mehdi. Alors, qui sera... Je me demande bien qui sera l'ennemi. Qu'est-ce que... C'est pas vrai! Quoi? Protoman, tu es vivant! Attends, il est bizarre. Protoman? Alors comme ça, c'est vous les ennemis des officiels, hein? Hein? Mais de quoi vous parlez? Protoman, c'est nous, tes amis. Maître Régal m'a sauvé la vie. Je lui ai juré fidélité. Je dois protéger cette zone. Non! Ouais, il a fait comme pour Megaman, quoi. Les Dark Luiz l'ont modifié, comme pour moi. On dirait bien.
Ce qui veut dire que nous devons franchir tous les panneaux pour le délivrer. Oula, des pas mal partout. On va avoir du mal, même avec ma puissance de feu. Et là, elle va nous sortir sa stratégie de balade. À moi de jouer, je suppose. Quoi, t'as un plan? Ouais, la double libération. Je peux libérer une rangée de panneaux en tapant les bouts. Géant, ce sera mieux que si on saute par-dessus les pas mal. Plan approuvé. Allons libérer Protoman des forces de Nebula. Oui, chef. Voici la mission, finir la libération en 10 phases. Bon, joueur 1. Du coup, je voudrais bien voir qu'est-ce qu'elle fait. Ok, ok, d'accord. Elle va libérer les deux bouts comme ça, d'accord. Genre, là, elle peut pas faire. Mais genre, si je libère là, double libération. Et là, je peux pas, et là, je peux pas. Là, et là, si je fais là, ok. Je vois le genre. Bon, alors, avec tout... Attendez. On va regarder, on va regarder. On a des objets un petit peu partout, comme d'habitude. On a des nouveaux ennemis. Donc, il va falloir passer comme ça. D'abord, s'occuper de ce trou noir, ce trou noir-là. Essayer d'avoir quelques objets. Là, il y a masse objets. Il y a une clé à avoir. Deux clés à avoir. Bon, ça doit le faire, ça va le faire. Bon, on va prendre Napalman déjà pour faire le ménage de début. Hop, voilà. Alors, Napalm. Ouais, ça va le faire. Utilisez du Napalm ici, oui. Let's go. Let's go, man. Bon. Ce qu'on peut faire, c'est un Django direct. Django direct. Et boum. Comme ça, libération d'un tour. Ça ne change rien, vu que j'utilise le Napalm. Mais au moins, c'est clean. Ici, c'est clean. Ok, libération d'un tour. Toi. On va prendre Gyroman. On va prendre Gyroman pour lui. Hop, libération. Allons-y, libération panneau. Alors, toi, mon pote, tu vas prendre cher. Peut-être. Peut-être. Donc, on peut balancer plusieurs R. On peut balancer, enfin, plusieurs plus R. On va commencer par celle-ci. Hop, wouhou, salut. Comment ça va? Apparemment, tu m'aimes bien. Ah. Oh putain, il s'est éloigné de trop. Sinon, j'aurais peut-être pu l'avoir en un tour. Hop. Hop. Non ! Fils de... Tchon. Non. Sinon... On va pouvoir lui mettre un astéroïde et bulle. Bulle machin. Bam. Voilà. Ciao. Voilà, comme ça, ça s'est libéré. Ça y est, de les libérer. Et on va prendre Megaman, puisque c'est celui qui a le plus de PV, pour cette case-là. On ne va pas avoir l'avantage encore une fois, mais au moins, bon, on va clean pas mal. On va faire ça. Hop. Allez, déjà, avec ça, on tue celui du bas, et le reste est assez dans le mal. Hop. Wow. Et il fait tellement mal. Il fait tellement mal. Allez, il reste plus que l'autre là. Et on va prendre Blizzman. Hop, Blizzman. Ok, bon. Sur cette phase là, ça s'est bien passé. Libération faite. Et toutes les cases là sont libérées. Et il y avait des pièces bug. Ok. Searchman. Libération. On va faire une libération classique. On va faire une libération classique. Je sais pas à quoi servent. À quoi servent tous ces trucs. Hop. Bam. Ah. Wow. Lâchez-moi. Ah.
Je suis bloqué. Je suis bloqué. Non. Bon. Voilà. Je crois que ça fait, ça prend pas de dégâts ces trucs-là. Ouais, ça prend pas de dégâts. Bon. Ouais. Sauf que c'est chiant tout ça. Voilà. J'ai pas compris en fait pourquoi il prenait pas de dégâts. Enfin, quel était. Dans quel sens on pouvait faire tout ça, mais bon. Putain, elle est rapide. Insane. Libération. C'est quoi, Mehdi, là? Ça doit être du heal. On va balancer des météorites, déjà. Alors, qu'est-ce que ça fait? Oh! Oh! Hop! Ça balance 3 cases devant. Ok. Django. Django! SP! Django Special. Et lui, c'est bon. Il est mort. Et on récupère un objet qui est peut-être un piège, je le rappelle. Mais je pense que les pièges, c'est dans les zones où il y en a plein, là. Il y en a peu. Ouais, des zénis. 1200 zénis. Nice. Alors, que vas-tu dire? Allez, viens faire une éraflure de mon de plus sur mon épée. Ok. Bon, par contre, c'est truffé de pièges, hein, de l'autre côté. Ça va être drôle. Ça va être drôle. Sabre long, et si c'est un piège, ça va être. Je vais regretter d'avoir utilisé un truc pour. Oh putain. Cu. Hop, allez hop, bouffez-vous ça. Hop. Shade Man. Allez, viens ici. Viens ici. Non. Non. Mais, je... No way. No freaking way. Oh, bon, je vais pas réussir cette libération. Ces ennemis-là sont terribles. Je comprends pas... Faut qu'ils soient devant moi, à mon avis, pour que je puisse les déglinguer. Déglingue. Tiens, je vais libérer ça, là. Histoire d'avoir un piège dans la gueule. Oh, no way. Encore ces ennemis-là. Bon, ça va que j'ai ça. Tac, 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 tac. Viens là. Voilà. Bon, on va faire comme ça, hein. Bon, attendez, Django. Django, il passe comme ça, là? Je sais pas s'il pense. Oh, si. Django passe contre ces trucs. Bon, il y a certaines puces qui font des dégâts perçants, de toute façon. Donc bon. Enfin, des dégâts perçants. Ce que j'appelle des dégâts perçants. Ouais, des points d'ordre. Non, mais... Non, 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 mais... Non, il est... Mon voisin qui a sorti la perceuse. Je crois que vous entendez. Je crois bien que vous entendez. On est à combien? 18 minutes. Vas-y. Il me fait chier, ce gars. Il me fait trop chier. Bon. En plus, c'est juste au-dessus, j'ai l'impression. Toi, là. Hop. Allez. Pourquoi j'ai fait un mouvement? Allez. Pourquoi j'ai fait un mouvement comme ça? C'est terrible. Allez, libération en Natsur. Du coup, on libère tout ça, c'est parfait. Enfin, c'est juste... Ah, c'était un piège. Celui-ci était un piège. Searchman. Ouais, ça fait pas le taf, hein. Ça fait pas... C'est pas ouf, hein, ce que ça me fait faire. Hein.
Il me faudrait Napalman pour faire les dégâts là-bas. Donc à la limite, je veux bien. Oh, quoi que. Attendez, si je fais ça. Ouais, bon, à la limite, allez, on va passer. Récupérer des PV, oui. Et toi aussi, tu vas passer pour récupérer des PV. Puisque après, sinon, tous mes autres moves sont inutiles. Donc, autant conserver tout ça. Oh, il peut toucher. Ah, bah là, le voisin a sorti le marteau. Bon, apparemment, la perceuse ne marchait pas assez bien. Très bien. Attendez, je regarde. Non, c'est bon. Alors, Napalman. Voilà, Napalman. Hop, Napalm sur cette zone-là. Quoique. Attendez. Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est que. On va prendre. Lui. Non. Ouais, on va prendre Megaman. On va libérer cette case-là. Non, on ne combat pas Napalman. Voilà, on va libérer cette case-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire le maximum de trucs? Je pense pas. Ouais. Ça va faire quelques dégâts. On peut mettre un Osher. Hop, bro. Ok. Hop. Non. Oh, qu'est-ce qui m'a touché? Oh. Calmez-vous, les gars. Hop. Hop. Lui, il est mort. Ah, ça peut faire plus de. Ça peut faire plusieurs attaques. Plusieurs attaques. Allez, on récupère 90 PV. Mais 90 PV, c'est bien. C'est très, très bien. Ok, j'ai pris un coup. Sans m'en rendre compte. Hop. Tiens. Il fait le mort. Tu m'as tué. Eh non, mec. Voilà, comme ça, ce sera plus facile pour Napalman. Non. Napalman. Allez, Napalm ici. Putain. Bon, allez. Django. Mais les deux autres vont. Il va leur rester 10 PV. Bon, les autres, j'en fais masse dégâts, allez. Hop. Non. Voilà. Libération à la tour. Et du coup, je libère toutes ces cases. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Ce qu'on peut faire, bah, déjà, c'est libérer cette case-là. Avec cet ennemi. Hop. Voilà. Hop. Oh, ça s'est pas bien passé, ça. Ok, il switch encore. Oh putain, il fait des dégâts. Merde. Les dégâts qu'il fait. Bon, allez, et ça passe crème. Bon, allez, redonner des PV à mon très cher Searchman, là. Il a l'air d'avoir pris cher. Yeah! Et Searchman a des zénis. 1000 zénis, tu vois, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. J'ai bien envie. Non, on va libérer cette case-là. Ça fait une pierre deux coups. Libération. Allons-y, libération panneau. Avec Mary. Shademan peut faire pas mal le taf. Ou alors. Ah oui, non, on n'a pas de truc d'union avec. Hop. Tiens. Tiens. Et. On avance. Tiens. Bref. Parfait. Bon, de toute façon, je m'en foutais d'avoir la libération en un tour, puisqu'il n'y avait qu'une seule case autour de moi. Voilà, bien. Libération réussie. Et ce qu'on peut faire, c'est ça. Non, pas ça.
Non, pas ça. Libération. Oui, un point bonus. Et hop. Oh, putain, mais pourquoi? Mais c'est sur le seul qui est full vie. Oh, full PV. Bon, allez. On y va. On y va sur ça. Déjà, on va faire un Napalman ici. Hop. Comme ça, les deux sont morts. Et l'autre, il lui reste 100 PV. Oh, il lui reste 10 PV. Il lui reste 10 PV. Hop. Hop. Allez, bouffe-toi ça. Voilà. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que je vais avoir? Des points d'ordre. Et bah voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça que nous voulons. Je dirais même. Ok. Et continuons. Continuons. On a encore le temps. On a encore le temps. Par contre, ici, ça va être chaud chocolat. Napalman. Non, pas toi. Napalman. Est-ce que... Alors, attendez. Ça va fucked up mon truc. Écran, rallume-toi. Écran, rallume-toi. Toi, double libération, ça fait quoi? Ça sert à rien, double libération. Ce n'est pas ouf. Hein. Je peux faire ça, ça me fait libérer des cases, mais c'est... moyen. Alors, ce qu'on peut faire, c'est libération, une bombe de libération, voilà. Hop, 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 ça c'est libéré. Ensuite, on prend Megaman, on va utiliser le sabre long pour libérer ces deux cases. Je vais utiliser les trois points d'ordre que j'ai reçus à l'instant. Shade Man, alors, il fallait que ce soit sur eux. Hop. Oh putain. Tiens. Et on a Django. Django, 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 Django. Django! Je suis content d'avoir... Attendez, il avait plus de 150 PV l'autre. Ah oui, puisque j'étais en... Oh, non, non. Je sais pas ce que ça m'a fait. Et un piège. Ah, je suis paralysé. Ah, très bien. Je suis très heureux de cette nouvelle. Ensuite, nous allons faire une petite napalm ici. Petite napalm ici. Ok, trois petits ennemis. Voilà, on va faire ça. On va leur montrer. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Non mais. Allez, on va balancer ça. Hop. Non. Non. Voilà. Je perds encore beaucoup de PV hein, avec tout ça. Et oui, libération réussie. On prend Searchman et nous allons utiliser le Fouille Panel. Oui, nous utilisons les points d'ordre. Lancement de la mission de libération. Enfin, de phase... bref. Vous m'avez compris. Hop, let's go. Hop, 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 hop. Je sais plus ce que ça fait. Right. Libération d'un tour. Ok, ça s'est libéré. Alors, on a des cœurs. Nice. Et un piège. Désamorcé. Et on va prendre Mehdi pour affronter cette chose. Alors toi, tu vas rien comprendre à ce qui va t'arriver. Rien. Je te le garantis. J'ai pas de lettres similaires. Bon.
On va faire... Qu'est-ce que je peux faire? Ça. Tiens, 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 tiens. Hop. Wouhou. Hop. Et ensuite, on fait un Django, hein. Django, Django, Django. Django... Non! Ça a compté. Ça a compté quand... Quand j'ai bougé. Bon. C'est pas grave, au moins on l'a libéré. Et yeah! Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, Dark Lloyd. Toi, tu ne bouges pas. Tout comme Megaman, il ne bougera pas. Il est paralysé. On va juste libérer cette petite case avant de se quitter. Et après, bah, on se quittera, justement. Libération de panneau! Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Je peux faire ça, je peux faire ça, et on essaiera de mettre la sauce! Oh, j'ai failli lui mettre la sauce, justement. Ok. Hop. On va mettre ça dessus. Voilà, libération d'un tour. Et du coup, on a... Une clé. Oh, la clé barrière. Ah, bah justement, c'était utile de l'avoir. Très bien. Et donc, du coup, pour le prochain épisode, il nous reste quoi? Ça à faire. Ça à faire. Ça à faire. Et ça à faire. Bon, on a pas mal de choses encore de prévues. Donc, je pense que tout l'épisode prochain sera consacré à la libération de cette zone. Et on aura fait une bonne partie de la zone. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas fait. On se retrouve la prochaine fois. Allez, allez tout le monde !